marchons pour réclamer les réformes. Ça fait 11 ans que cette affaire-là dure. 11 ans qu'on a fait l'APG, 11 ans qu'on est en train de tourner en rond. Mais on en a marre. On en a marre tout le temps de faire la même chose. Nous avons besoin de notre énergie pour faire autre chose pour le Togo que de parler tout le temps de réforme. Le 19, des gens ont marché pour la réforme. Il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. Nous avons dit ça suffit. C'est pour ça que nous avons lancé un appel pour que cette fois-ci, on puisse faire ici et maintenant les réformes pour le Togo. Parce que la même chose ne peut pas durer tout le temps. Alors, nous avons dit, la chose est simple. Nous avions une constitution qui a été votée majoritairement par les Togolais en 1992. On l'a tripatouillée, on l'a triturée. Nous demandons qu'on remette les choses à l'endroit, puisque elle était mise à l'envers. La chose que nous demandons est tellement simple. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas faire la démocratie avec les lois de la dictature. Alors, je ne sais pas si ce langage-là ne peut pas se comprendre. Vous me demandez qu'on a fait un projet de loi. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Un projet de loi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un projet. Nous, ce que nous demandons, jusqu'au moment où nous allons obtenir de manière claire ce que nous souhaitons entre les mains, nous allons demander aux gens qui sont dans la rue de rentrer chez eux. Mais tant qu'on ne l'aura pas, on continuera à manifester. La constitution togolaise a été modifiée en une nuit. Si on a la volonté politique, on peut ici et maintenant la modifier. Nous nous demandons que la loi-là soit modifiée. Mais on ne va pas nous bluffer en disant « oui, il y a un projet, donc rentrez chez vous ». Nous resterons mobilisés jusqu'au moment qu'on obtienne ce que nous demandons. C'est tellement simple que ça. Pardon ? Tant pis, moi je ne sais pas. Nous, ça, la balle est dans le camp de ceux qui gouvernent le pays. C'est à eux de se dépêcher. Quand ils l'ont fait en 2002, comment ils l'ont fait ? Ils se sont débrouillés pour le modifier. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour le remettre à l'endroit. Qu'est-ce qui est unilatéral? J'ai dit, c'est à eux d'initier ce qu'on doit faire pour qu'on arrive rapidement à ces réformes-là. Parce que trop, c'est trop.